Entamé la saison, euh, tout le monde était inquiet pour nous parce qu'on perdait euh, deux de nos meilleurs joueurs en début de saison Cédric Lécluse, notre capitaine, Faïd Ben Kalfala, qui était notre deuxième buteur et notre meilleur passeur l'année dernière. Donc tout le monde se demandait un peu euh, comment nous allons euh, pouvoir nous en sortir. Euh, à cela se rajoute au deuxième match de championnat la blessure grave de notre taulier défensif et notre vice-capitaine Blaise Kouassi. Donc, ça rajoute un petit peu d'inquiétude et de, et, et de désarroi dans l'effectif. Et malgré ça, nous, nous, nous vivons une grande saison. Le bilan global est satisfaisant. Nous, nous obtenons la 7ème la place du championnat de Ligue 2 euh, avec 53 points, c'est-à-dire euh, exactement le même total que la saison précédente, euh, qui était déjà euh, satisfaisante. Nous avions placé comme objectif en début de saison faire aussi bien que la saison précédente. Je crois que nous avons poussé le détail jusqu'à avoir le même nombre de victoires de nuls et de défaites et le même nombre de, la même différence de but. C'est dire si, on, si la saison a été régulière, constante et si on, on peut considérer qu'il y a une stabilité dans nos résultats. Je pense que le, le, la meilleure place au classement avec le même total de points est due au, au, au nivellement des valeurs dans ce championnat. Puisqu'on se rend compte que cette saison, euh, euh, les équipes de bas tableau finissent avec plus de points et les leaders avec un petit peu moins. Donc il y a eu vraiment une. Euh, ça s'est resserré hein, euh, ce championnat était vraiment euh, très équilibré euh, par contre nous ça nous permet avec le même total de points de finir 7e c'est à dire le premier tiers du classement on sait qu'on s'est mêlé à la lutte pour la montée pendant de longues semaines voire de longs mois euh, donc je pense qu'on peut euh, c'est en ce sens là qu'on peut noter des progrès dans notre euh, dans notre dans notre performance c'est ça, c'est cet état d'esprit, cette convivialité, cette envie de progresser euh, commune, que ce soit le staff par rapport aux joueurs, que ce soit les joueurs par rapport au staff. Euh, cette ambiance de travail est vraiment primordiale et elle nous permet de progresser. Je crois que tous les ans il y a des satisfactions individuelles à travers un projet collectif. Voilà un petit peu ce qui moi me, euh, me rend fier de, 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 de ce groupe et de ce club, euh, en espérant que ça continue.